l'objectif principal de cette journée pour nous, c'est ça, c'est de vendre les vélos qui ont été rénovés grâce aux dons des particuliers et puis à la communauté de communes avec lequel on a un partenariat pour récupérer les vélos et qui sont récupérés par l'association et rénovés par Jean-Pierre Nigaud, le mécanicien de notre équipe. Voilà. Merci. Bonne journée à tous.
Ça nous est arrivé une fois quand on a démarré la première fois. Il y a beaucoup de gloire et pied. Tout le monde sur le parvis de la mairie pour faire la photo de groupe. Oh, bon, on va mettre tous. Oh, mais non, ça sert. Voilà, sur le côté. C'était dans les critères. T'as rien beau. Il m'en fout un mission. C'est le mien, ça. Sensiblement comme l'an dernier, alors aux alentours de 70 concurrents. C'est vrai que les conditions climatiques ont fait qu'il fallait s'attendre à... Hein. Donc merci aux bénévoles, merci aux véhicules d'assistance qui nous ont été vraiment très, très utiles dans la protection, parce que bon, sans les motos, sans les voitures, c'est relativement difficile sur la route. C'est de plus en plus difficile d'ailleurs d'emprunter la route pour les cyclistes. Bon, pour la randonnée pédestre, c'était un petit peu plus facile parce que je crois qu'à part traverser à Grand Andos et à Petit Andos, on a la chance sur Bosguerard d'avoir des voies qui sont parallèles au CD47, donc ça évite de marcher sur la route. Tiens, à remercier aussi Nathalie Ricouard et Denis Gutierrez qui ont vraiment beaucoup travaillé pour cette organisation, surtout Nathalie. Donc, bravo Nathalie, bravo. La communication fonctionne très bien, on essaie d'améliorer un petit peu les choses. On espère que sur le petit parcours l'an prochain, ça fera venir un petit peu les gens du village. Je crois que monsieur le maire a montré peut-être l'exemple. Ah, j'ai montré l'exemple, oui. Donc, effectivement, c'est très bien. Donc, il faudrait aider le... On va essayer. Hein. Bah, c'est la deuxième manifestation, donc c'est toujours bien de persévérer. La dernière fois, on a eu des idées, tu as eu des idées, donc elles se matérialisent, notamment le repas auquel vous êtes tous conviés. Oui, je crois que c'est bien parti. Donc... il faut travailler pour l'année prochaine pour trouver de nouvelles idées. Exactement. Et puis on vous accueillera toujours avec autant de plaisir.